Le titre du livre est donc « Les embarras de l'identité ». Et la raison d'être de ce titre, c'est de partir d'une difficulté que, sans doute, je ne suis pas le seul à ressentir devant non seulement les discours et les débats sur l'identité, mais le mot lui-même. Le mot lui-même. Et je le fais en philosophe, c'est-à-dire à l'intérieur d'une discipline dans laquelle nous sommes habitués à traiter de l'identité depuis toujours, depuis qu'il y a la philosophie, mais dans des disciplines telles que la logique ou la métaphysique qui n'ont pas un rapport direct ou évident avec les débats politiques, nationaux, sur notre identité. Quelle est notre identité? Avons-nous une identité nationale? Avons-nous une identité européenne? Avons-nous une identité parisienne? Etc. Ces embarras, j'ai fini par trouver que le meilleur moyen de les aborder, c'était de partir du lexique lui-même, c'est-à-dire de faire l'expérience du dictionnaire. Et si on consulte des dictionnaires, on voit que le mot identité, pris dans le sens identitaire, pris dans le sens des conflits sur les identités qui ne sont pas reconnues ou qu'on voudrait faire reconnaître, n'est-ce pas, ces débats, emploient un mot qui n'est pas dans le dictionnaire ou qui, s'il y est, est apparu très récemment. Il n'est pas, en tout cas, dans les dictionnaires d'avant la dernière guerre mondiale. Alors ça, c'est quand même un point de départ intéressant, puisque aujourd'hui, tout le monde est censé pouvoir employer le mot, et ce mot, néanmoins, on n'en trouve la définition nulle part. Et on n'en trouve pas en particulier dans l'immense littérature sociologique, politique, qui est censée traiter des conflits identitaires. J'ai procédé donc à la fois comme un philosophe, mais d'abord comme un lexicographe. Et en l'occurrence, c'était un peu la même chose, puisque aborder le problème en philosophe, c'était essayer de remonter jusqu'aux notions les plus élémentaires. Alors, c'est pourquoi on trouvera dans le livre à la fois un rappel de l'apparition de la notion dans notre vocabulaire, et un rappel aussi des disputes philosophiques sur l'identité au sens ordinaire, au sens où les choses sont ou ne sont pas identiques. Du point de vue de l'apparition du mot, il ne fait aucun doute que le mot est apparu aux États-Unis sous la plume d'un psychanalyste avec la notion de crise d'identité. Ce psychanalyste, c'est Erik Erikson. Néanmoins, ce psychanalyste n'était pas américain, il est un exilé qui a fui le nazisme, enfin, il est un Allemand. Et donc, cette notion est américaine, mais en même temps, elle est une notion d'immigré. Et donc, c'est très intéressant de voir l'emploi de ce mot chez Erikson et de voir que c'est une notion de psychanalyste, c'est-à-dire qui est censée désigner un trouble. Mais ce trouble est personnel. C'est la crise d'identité, telle que l'entend Erikson, c'est la crise en général des jeunes gens, n'est-ce pas, qui venaient le consulter. Et ça correspond plus ou moins à la crise d'adolescence, bien connue des psychologues. Et alors donc le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il a appelé cette crise d'identité, puisque ça n'était absolument pas un trouble que les gens auraient eu sur leur personnalité, n'est-ce pas, de se prendre pour Napoléon, c'est pas ça du tout. C'est une crise d'un autre ordre, et néanmoins, il l'a appelée crise d'identité. Donc un peu la clé de l'énigme lexicographique, c'est de savoir d'où vient-il que le mot identité se soit ainsi déplacé de son sens en logique, n'est-ce pas, quand on identifie un objet, jusqu'à ce sens psychologique et même moral. Et alors, on observe ensuite que c'est à partir du sens de
du sens personnel. C'est à partir de la question « qui suis-je »,« quel avenir ai-je »,« qu'est-ce que je vais faire dans la vie ?» C'est à partir de ce sens que est apparu le sens qui aujourd'hui donne lieu à des débats, c'est-à-dire le sens collectif. Donc le livre revient sur les origines du mot, explore le sens de la question « qui suis-je » et débouche sur une exploration de la question « qui sommes-nous ?» Identité personnelle et identité collective.